est parti en Côte d'Ivoire, okay, 5 semaines. C'était juste magnifique. On était dans un petit village qui s'appelle Abouasso. Et voilà. C'est au nord d'Abidjan, c'est à 200 km d'Abidjan. Le CHR d'Abidjan, c'est l'hôpital, on va dire, comme un CHU en France. Service des urgences, la maternité, la vaccination. On a énormément fait de vaccination d'enfants. Et vraiment, on regrette en rien du tout la Côte d'Ivoire. On a fait des 12 heures pour après pouvoir visiter le pays de jeudi à dimanche. Donc on s'est déplacé à Sini, à Swende, à Grand Bassam, à Abidjan. On a visité vraiment tout le pays. On a vu une culture qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Un peuple qui a le cœur ouvert. Avec le budget personnel, c'est-à-dire de voyage, les petits week-ends, ça, on en a eu pour 2000 euros. Il faut savoir que la région Rhône-Alpes-Auvergne aide le financement. Donc si vous avez des bourses, vous pouvez toucher jusqu'à 1300 euros. Et si vous n'avez pas de bourse comme moi, qui est en reconversion professionnelle, on a quand même retouché presque 700 euros. Donc 2000 moins 700, ça fait du 1300. 1300 euros, 5 semaines, c'est pas du tout cher. Il faut mettre un peu d'argent de côté, faire des petits week-ends en tant qu'AS. Franchement, moi, les premiers jours, je pleurais parce que je voyais des choses. Pour moi, ça c'était pas normal. Et en fait, après, avec le temps, on se rend compte que c'est comme ça, c'est la vie, c'est une autre culture, c'est l'Afrique. Ils ont pas le même rapport à la douleur, ils ont pas le même rapport à la mort que nous. Et franchement, c'est inoubliable. On conseille vraiment à tous les étudiants, mais vraiment, vraiment à tous, de faire un voyage à l'international. De faire un voyage, un stage à l'international. C'est une expérience vraiment inoubliable. En plus, c'est qu'une fois dans notre vie, parce qu'un stage à l'international, c'est pas toutes les années où on nous le propose. Et vraiment, on ne regrette en rien. Moi, pourtant, je suis quelqu'un de fragile un petit peu, etc. Mais vraiment, ça m'a renforcé et je regrette vraiment pas. C'était inoubliable. Vraiment, ça nous a fait grandir. Et comme les Ivoiriens disent, à quoi bon?